Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels à propos de VisiVirac. Et dans cette vidéo, nous allons continuer à découvrir les messages MIDI que l'on peut récupérer à travers différents modules. Et pour l'instant, nous sommes intéressés essentiellement aux modules proposés de base par VisiVirac. Et donc dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à encore de nouveaux messages, comme des messages très spécifiques, comme les continuous change, les messages CC, et puis des messages, enfin des modules qui permettent de récupérer des portes, des gates. Vous verrez que c'est le monde du MIDI est vraiment toujours étonnant. Mais avant d'aller plus loin, quelques petits rappels. N'hésitez pas, plutôt pensez à aller voir les descriptions de chacune de mes vidéos, parce qu'à chaque fois, je vous donne une description, j'essaye en tous les cas de la faire aussi détaillée que possible, afin que vous puissiez retrouver les bonnes vidéos à travers le moteur de recherche de Google via YouTube. Et puis, en général, quand j'ai le temps, je vous mets ici le timing pour pouvoir aller directement au chapitre correspondant. Et quand dans ces cas-là, vous voyez, je n'ai pas encore eu le temps de le mettre parce que ça prend un temps de dingue puisqu'il faut aller se balader à la main, parce qu'il n'y a aucun outil YouTube, se balader à la main pour retrouver les chapitres correspondants. Oups, tais-toi. Donc à la limite, si vous visionnez la vidéo, notez-moi dans un coin, mettez-moi en commentaire, ou envoyez-moi via le mail dans le profil de ma chaîne. Vous me donnez le timing, vous voyez, minute, deux points, seconde. Donc ça me fera gagner du temps. Merci d'avance. Sinon, je vous mets aussi les références biographiques nécessaires pour la vidéo courante, les principaux modules VisiVirac que j'utilise, et puis normalement, il y a aussi la liste des mots-clés qui est traitée en tant que mots-clés par YouTube. Je sais plus où d'ailleurs. Ou alors c'est seulement pour les recherches ou les suggestions de vidéos associées. Et pour terminer, pendant que je suis avec vous, vous avez aussi un lien vers ma page Tipeee qui ressemble à ceci. Je n'avais pas fini de l'activer, il manquait quelques métadonnées. Donc si vous voulez me soutenir, c'est simple. Voilà, vous cliquez sur le lien, vous arrivez dans ma page Tipeee, et hop là, je vous raconte 2-3 trucs sur qui je suis, d'où je viens et où je vais. Et puis ben voilà, vous pouvez me faire un don, ça me soutient. Et pourquoi pas, ça me permettrait d'acheter d'autres types de matériel pour continuer ces vidéos-là, toujours autour de VisiVirac. Sans oublier bien entendu le fait de mettre un petit pouce levé, comme ils disent tous, un like sur mes vidéos, avant que vous oubliez, parce que on est tous fait pareil, à la fin de la vidéo, ça vous a plu, et hop, vous partez, vous couchez. Et moi je reste. Donc un like, ça serait chouette. Et puis si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permet d'avoir des notifications à chaque sortie de vidéo. Et puis ben, malheureusement, l'accès à d'autres outils un peu plus performants, intéressants pour moi, chez YouTube, sont entre autres liés aux notions de nombre d'abonnements, de nombre de likes et de durée de vue globale des vidéos, donc ça mènerait bien aussi. Merci, bonne vision. Étant donné que je vais vous parler bien entendu de protocole MIDI, je vais utiliser quasiment tout le temps un clavier externe MIDI que je possède. Donc je vais vous en faire le tour rapidement pour que vous compreniez ce que je trafique et qui ne se verra pas dans la vidéo. Alors, je ne fais pas de pub pour Arturia. J'ai simplement acheté ça, ce clavier l'an dernier. Donc, ce avec quoi je vais jouer. Ce sont déjà ces trois boutons-là qui servent à différents réglages sur le séquenceur interne de
ce clavier et le tempo qui est ici, je crois. Oui, je sais plus, je crois. Ensuite, il y a trois boutons dans genre début d'enregistrement de la séquenceur interne, le stop et le play de la séquence enregistrée ou le pause. Je pense pas que j'enregistre des séquences ici, mais c'est simplement pour voir comment récupérer le fait d'appuyer sur tous ces boutons-là ou de tourner ces boutons-là. Ensuite, un clavier classique piano de 2 octaves et demi. Et puis un transposeur ici avec, vous voyez, octave plus, octave moins, qui permet de transposer d'une octave au-dessus, au-dessous. Et on jouera beaucoup avec ça, deux simulations mais tactiles de ce qu'on appelle les pitch wheel, c'est-à-dire là une roulette, parce que sur les vrais synthés ça se présente comme ça mécaniquement, une espèce de roulette qu'on pose vers le haut, vers le bas, avec un ressort qui ramène au milieu, et ça permet de monter la note qu'on est en train de jouer. Alors ça se règle, un demi-ton, un ton, deux, trois tons, et ça c'est une roulette pareille, en tout cas là, ici, de l'équivalent tactile, une roulette, une molette qui permet de commander tout ce qu'on veut, et notamment dans Receiver Rack, on s'amusera à commander effectivement plein de choses, des trémolos, modulations, des VCF, un peu tout ce qu'on veut. Et suivant les modèles, soit elle revient automatiquement au début, soit elle reste dans la position à laquelle elle est. Là, la simulation enfin, tactile comme ça, je crois que ça se règle, mais par défaut, ça doit être la valeur courante reste intacte jusqu'à ce qu'on la ramène ailleurs ou par zéro. Voilà l'essentiel de ce clavier. Ah oui, pardon. Non, une chose, on va commencer par jouer avec ça d'ailleurs, c'est le fait de pouvoir dire à ce clavier, eh bien tu m'envoies, vous voyez les numéros de 1 à 16 en bleu, la sortie de ce clavier, tu me l'envoies dans le canal MIDI numéro 1, 2, 3, 4 jusqu'à 16, puisqu'il y a 16 canaux MIDI. Puis d'autres choses dont on ne se servira pas. L'autre périphérique externe que je vais utiliser, c'est celui-ci. Je l'avais présenté rapidement dans un tutoriel précédent. C'est un truc qui s'appelle Launch Control XL. C'est de chez Novation. Encore une fois, je ne fais pas de pub pour eux, c'est simplement parce que c'est un exemple typique de ce que j'utilise dans mes démonstrations. Alors, au premier coup d'œil, on aurait envie de dire que c'est une table de mixage. En fait, non. C'est un contrôleur MIDI, et vous devinez la suite, hein, c'est qu'en fait, tous ces boutons, les faders, les boutons rotatifs, les sélecteurs ici, les sélecteurs là, et les boutons poussoirs ici, alors non seulement ils peuvent prendre des couleurs différentes, ça saute aux yeux, mais ils génèrent des messages. Alors tout type de messages, notamment essentiellement des messages Control Change, on verra dans cette vidéo ce que c'est, les CC, et forcément, ergonomiquement, ça, on a envie de dire, bah oui, c'est un fader, en plus, là, il y a des valeurs, hein, 60, 36, on devine que là, c'est 0 dB, moins 6 dB, moins 12 dB, encore à nous, encore dans Visivirac, en recevant ce type de message, à nous de les paramétrer pour que ça corresponde, mais en tous les cas, il faudra être un peu dingue pour affecter ça à autre chose qu'un fader. Là, pareil, on pense à du panoramique. D'ailleurs, ils ont un peu divulgué le truc. Quoi. Ils incitent à affecter cette première rangée de boutons à du panoramique, mais on pourrait très bien contrôler les filtres VCF avec ça, ou le volume d'une chambre d'écho, je ne sais pas quoi. Et ça, on devine que on va en faire aussi des envois effet extérieur 1, effet extérieur 2 sur la table de mixage, et dans Receiver Rack, notamment avec la table de mixage Mind Meld, ici on va forcément mettre ça sous forme de, je crois que ici c'est mute et là c'est solo, on peut vérifier tout de suite, je ne sais plus où j'habite, voilà, mute et solo. Rien d'obligatoire, mais forcément toutes les tables de mixage ont ça de commun, donc il faudrait être là aussi un peu dingue pour mettre le mute de la voix une et sous forme d'un potard, bon, ça serait complètement idiot. Donc ce truc là, quand je ferai référence à ça, j'utiliserai une voix, la voix une notamment, avec ce bouton là que j'appellerai le mute, celui là le solo,
Et celui-là, le panoramique, et les deux autres, ben, je vous dirais un bouton un bouton rotatif du premier effet, puis du deuxième. Et on en fera ben, ce que l'on veut, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo. Si vous ne l'avez jamais vu, voici l'aspect technique détaillé du standard MIDI. Et la partie qui va nous intéresser là, elle est par là, je crois, voilà, spécification technique détaillée. Et ça va nous permettre de refaire un bond en arrière sur ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, à savoir que l'on s'intéressait à tout ce qui s'appelle dans ce standard Channel Voice, je crois, oui, Message, à savoir tout ce qui nous permet, je dirais, d'engendrer des notes. Je vous cherche pendant ce temps-là, voilà, les petits messages, engendrer des notes et puis ce qui va avec. Donc on a vu les notes on, les notes off, les histoires d'aftertouch et de vélocité quand on appuie sur une note, et les pitch bends, et on a vu les modulation wheel, c'est-à-dire la zone sensible, généralement sur la gauche du clavier, qui permet de générer des messages MIDI, et on en fait ce qu'on veut. Et on a vu dans la vidéo précédente, je crois, qu'on en faisait un trémolo et qu'on pouvait en faire en fait. Et que oui, l'aftertouch, on modifiait le signal carré d'un VCO. Et en fin de compte, la modulation wheel, elle fait partie de ce message-là, ce qu'on appelle control change. Dans la vidéo précédente, je vous avais présenté donc tous ces signaux-là qui sont définis clairement, c'est-à-dire avec un identifiant et une série de valeurs bien, bien définies. On avait vu les, vous voyez ici, sur mon moniteur MIDI, les notes on, les notes off, la vélocité associée, la vélocité en off, lorsqu'on relâche la touche, et on avait vu le pitch wheel qui est identifié tel quel, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a un code sur lequel on reviendra plus tard dans d'autres vidéos, un code d'identification de cette fonctionnalité avec sa valeur relativement précise, pitch wheel, et puis j'avais un peu passé sous le silence le fait que la modulation wheel, la molette de modulation, eh bien en fait elle n'était pas comme celle-là, pitch wheel. C'était une valeur, un message qui s'appelait CC1 égale, et puis une valeur. Et sa valeur 0 c'était ça, et la valeur maxi c'était 127, je crois. Et il y a une raison à ça, c'est que quand on regarde dans la spec MIDI, on voit que tous les messages sauf celui-ci qu'on a trouvé émis par mon clavier externe MIDI était dans les voice messages, et celui-ci modulation wheel ça apparaît sous ce qu'on appelle un control change ou continuous change. Vous avez bien compris maintenant que le protocole MIDI était un protocole événementiel, que tout était traité sous forme d'événement, et bien quoi faire dans un tel protocole quand une commande comme celle-ci, comme la modulation wheel, est bougée, eh bien, la seule chose à faire, c'est que, toujours en lui assignant un identifiant, enfin un time mark, une valeur identifiant le moment précis, ou sur l'échelle de temps auquel on a bougé cette molette. Cette molette est identifiée par l'identifiant 1, donc c'est control change ou continuous change, c'est synonyme, hein. Valeur 1, c'est son identifiant, et il envoie la valeur de 0 à 127. Mais en fait, il y a, alors non pas une infinité, mais un grand nombre de CC, de control change, qui peuvent être utilisés sur des périphériques MIDI, comme ce clavier-là, mais juste après, on va voir un contrôleur MIDI. Et on va retrouver des CC, des identifiants de control change de 1 à, de mémoire, je crois que c'est 127 ou 129.
pour différentes raisons qu'on verra plus tard. Et donc la valeur associée. Et si je traîne, voyez, regardez la time là, si je bouge ça tout doucement, bien les valeurs de 0 à 120 et quelques arrivent à des échelles de temps sur l'axe des temps plus éloignées que si je la bouge très vite. Et encore une fois, les autres types de messages, eux, sont identifiés de manière précise et unique dans l'aspect MIDI. Encore une fois, note on-off, on verra dans une vidéo plus tard, son identifiant c'est 8, suivi du numéro de canal, c'est en hexadécimal, avec d'autres octets derrière qui définissent la note à savoir notre fameux Do 4, Do à l'octave 4, note off, pia pia pia, et puis ce Control Change au milieu, qui sort un peu du lot. Alors comment récupérer ces valeurs-là? Comme il s'agit, comme on l'a dit, c'est Continuous Change, c'est vraiment une typologie de message, comme on vient de le voir. Au fait, j'ai oublié de vous dire, je récupérais ça par le canal A1, sur lequel j'avais réglé mon clavier externe. On le retrouve là, Channel 1. Et il existe ce module chez VCV qui s'appelle MIDI CC to CV. Donc, c'est écrit sur la boîte. Hein. On récupère des messages MIDI, des Continuous Change, et pas d'autres types de messages, et on les transforme en Control Voltage. Arturia, c'est le port MIDI sur lequel on veut se connecter. Je sais qu'il arrive en Channel 1. Et comment récupérer, bon, je vais remettre ça à 0, voilà, je reprends mon Arturia, comment récupérer le numéro du canal? Soit on prend un moniteur comme ça et on sait que, le numéro du CC, Control Change, on sait, il est marqué là. Soit on va dans le logiciel de configuration ou de la doc technique du clavier, du périphérique MIDI en général. Et donc, quelque part, on va nous indiquer que cette modulation wheel, elle a pour identifiant de CC, de Continuous Change, l'identifiant numéro 1. Bon, c'est écrit dessus. Soit, là, ils ont fait fort, encore une fois, le VCV Rack. On clique sur cette entrée, là, sachant qu'on peut en avoir 4x4. On clique dessus. On agit sur la commande externe, là. Et hop, il a détecté que l'identifiant était 1. C'est pas mal, ça. Ça, c'est vraiment très chouette. Ou alors, on pourrait aussi cliquer sur cette case-là, à partir du moment où on sait que il s'agit de CC1, eh bien on saisit la valeur 1 dans la case et on clique ensuite à gauche. Si on veut la 50, elle est ici. Et en plus, il y a une vérification de cohérence, puisque on n'a pas 50 des identifiants au-delà de, je sais, comme je vous ai dit, 120 et quelques, 127, 129. Donc si je rentre 555, il me jette. Donc c'est vraiment plutôt bien fait. Eh bien, récupérons cette valeur. Encore une fois, je clique dessus, je demande au module de trouver l'identifiant du CC correspondant. Le voilà. Je récupère un scope. Et je vais faire une exception à mes couleurs, sinon j'en aurai jamais assez. Voilà notamment la valeur sur laquelle ce canal était resté, c'était, vous voyez, 53. Et 53 de 0 à 127, c'est traduit en peak-to-peak 4 volts 17, ici. Et je reviens sur ce que j'ai un peu abordé les fois d'avant, c'est que ces modules MIDI quelque chose tout CV et inverse, ils ne font pas que récupérer un signal et le balancer comme ça à l'extérieur. Dans un jack, ils font déjà très souvent une adaptation. Vous voyez que là, pour des valeurs numériques de 0 et décimales de 0 à 127, 129, je vais avoir un cœur net en allant jusqu'au bout. Je crois que c'était ça, 120 et quelques, 124, ouais, c'était ça, dans les 127, 129. Ça se retrouve dans les specs techniques. Hein.
Mais pour cette plage de valeur décimale, eh bien lui, il nous traduit ça en 0 à 10 volts. Parce que c'est la norme, enfin c'est le standard dans VCVRAC et AuroRAC. Donc il y a une sacrée adaptation dans ce sens. Et puis dans ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, dans les MIDI to CV, il y avait carrément la création, vous vous souvenez, hein, là, il y avait la création de valeurs comme les get, qui étaient calculées en fonction des notes on et notes off qui arrivaient du clavier externe. Il y avait aussi, qu'est-ce que c'était? C'était le retrigger qui était calculé aussi, la vélocité, je ne me souviens plus, enfin, en tous les cas, j'espère que vous êtes convaincus, c'est que ces modules-là font bien plus que pousser à l'extérieur à travers les prises jack des valeurs. Ils les convertissent et en plus, parfois, ils les calculent carrément. Et on verra des exemples de calculs encore plus épatants. Si vous retournez au survol là, de ce clavier Arturia que j'utilise, il y avait aussi des boutons pour l'horloge interne. Et il y avait notamment l'éternel leur stop, le start qui fait pause aussi, et puis enregistrement. Quand j'appuie dessus, hop, voilà. Quand j'appuie, par exemple, on va voir s'il y a moyen de récupérer un signal en sortie. Hein, après tout, je clique là-dessus et j'appuie sur le stop. Ah, j'ai son code 51. Et d'ailleurs, mon moniteur me l'indique. CC510. Tiens. Et en plus, il m'a envoyé le libellé correspondant. Tiens. Si maintenant je rappuie sur stop. Ah. Tant que j'avais le doigt appuyé, il m'envoyait pour ce même bouton la valeur 127. Donc on a le résultat, l'interrogation de tout à l'heure, quelle est la valeur maximale de ce type de commande. Mais dès que je relâche, il retombe à zéro. Donc ce module-là, il résonne pardon, en tant que CC to CV, mais c'est peut-être pas le meilleur moyen d'utiliser ce module, et on verra la solution juste après, parce que si on pourrait l'utiliser comme ça, et d'ailleurs on va récupérer le bleu, voilà, je rappuie dessus, je laisse appuyer, il fonctionne comme une guette, je relâche, il redescend à zéro, je remonte, et là le peak to peak, le max, il est à 9,92, bon, disons 10 volts. Celui d'après, dans mes boutons, là, il y a un truc qui s'appelle Restart, et ce sont les symboles de Pause et Play. J'appuie dessus. On a le code déjà, code 54. J'ai appuyé dessus, vous voyez, ici, c'est cette ligne, 54. Il a fonctionné comme une get, il a pris la valeur 127, mais il y a une commande intermédiaire qui a été lancée aussi. C'est-à-dire que cette fonction-là est reconnue, et on verra ça un peu plus tard, dans tout ce qui est horloge. Et il a dit, ah ouais, ok, c'est un CC54, mais c'est aussi symboliquement la commande start. Et au moment où j'ai lâché le bouton, il est revenu CC54 égale 0. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme en physique quantique, il est à la fois rond des particules, et à la fois il existe, à la fois il n'existe pas. En tous les cas, il est à la fois un continuous change et à la fois une commande symbolique dans le standard MIDI. On joue sur les deux tableaux là, simplement parce que ici on lui a demandé d'afficher un certain nombre de choses qui sont transcodées en libellé, je dirais en français dans le texte, comme le start. Et tout à l'heure il s'est passé la même chose avec le stop. Vous voyez, je ne vous l'ai pas dit, mais le bouton stop a pour identifiant 54, il a pris la valeur 127, donc une get ouverte, au moment où j'ai appuyé dessus, il a lancé en même temps la commande stop, et puis au moment où j'ai lâché le bouton, il est revenu à 0. Donc j'en ai en voilà déjà deux, le stop, le start, si je rappuie sur le stop, voilà, le vert, pourquoi il dit rien, c'est... Je sais pas, est-ce que j'ai bricolé un truc là. Bref, le suivant, voilà, le start-stop, ça c'était le stop, et ça, ah oui, c'était le pitch wheel. Hop, voilà.
C'était la pitch wheel. Donc, je vais me décaler. Donc, laisse que je m'intéresse au bouton stop qui est là, voilà, où la lumière et le bouton start. Et tous les deux, encore une fois, ont des modes de fonctionnement type interrupteur bistable, monostable. J'appuie, j'ai une gauge, je lâche, il reprend sa valeur 0. Et là, il y a un point important qu'il faut souligner. Ce clavier, il a plein de touches de musique, il a des boutons start-stop d'horloge, on vient de le voir. Il a deux molettes, pitch bend et modulation wheel. Mais il a aussi plein d'autres choses. Il y a un bouton de tempo pour l'horloge interne, il y a des divisions de fréquence en entrée ou en sortie de l'horloge, il y a des tas de réglages des commutateurs pour un arpégiateur et un séquenceur interne. Mais ce que je vois, ce que je constate, c'est que je ne peux pas récupérer les éléments MIDI externes et pour cause. Dans la doc technique, ils disent bien que seulement certaines commandes sont piquables, enfin sont récupérables sous forme de messages MIDI. Et là, en l'occurrence, ils partent du principe que le commutateur séquenceur ou arpégiateur n'a pas à être exporté sous forme de messages MIDI. C'est un choix de constructeur. Et là, on n'y peut rien du tout, c'est pas câblé à l'intérieur. Pareil pour le commutateur d'horloge là sur lequel il est marqué enregistré. Ah si, ça y est, celui-là, je peux le récupérer. Tout à l'heure, je devais être dans un autre mode et je ne pouvais pas. Voilà, c'est le 50. Ouais, ben on va l'enregistrer là. Le voilà. Le 50, on va le voir fonctionner comme les autres. Voilà. Il est. Ah, alors celui-là, intéressant. Les deux autres étaient en mode monostable. J'appuyais, j'avais une guette ouverte, je relâchais, ça redescendait à 0. Et d'ailleurs, on va le faire. Voilà. Celui-ci, c'était le stop. Je vais y arriver. Je suis mélangé les crayons. Voilà. C'était le start et pause, le 54. J'appuie, j'ai une gauge, je lâche, ça retombe à 0. Donc c'est un monostable, je le lâche, il revient. Alors que celui d'enregistrement, il ne dit pas la même chose. Lui, regardez, j'appuie une fois et je relâche. Son mode de gate est passé à 0. Je rappuie, il passe à 1 et il reste à 1, même quand je le relâche. Ce qui paraît logique pour la fonction, puisque je veux enregistrer et j'enregistre jusqu'à nouvel ordre. J'ai décidé d'arrêter d'enregistrer, je rappuie et il passe en mode autre chose. Et donc là encore, je peux commander et utiliser ça de la façon que je veux dans VCV Rack. Et là, on touche du doigt. Alors, on vient de toucher du doigt deux choses. Un, tout n'est pas exporté des périphériques MIDI. Ce sont des choix de constructeurs. Et deux, les commandes peuvent être en fait de différentes sortes. On a vu là deux interrupteurs qui étaient en monostable, c'est-à-dire que je relâche, poum, ils reprennent leur valeur logique 0, ou en bistable, comme le record, l'enregistrement, où j'appuie une fois pour démarrer l'enregistrement, et quand j'en ai envie, j'appuie une autre fois, et l'enregistrement s'arrête. Et ça, c'est vraiment typique des périphériques MIDI. Un autre module fourni par VCV Rack, c'est le MIDI to Gate. À ne pas confondre avec le précédent, MIDI CC to CV. Là, MIDI to Gate. Le MIDI to Gate, ben, comme son nom l'indique, on va récupérer des messages MIDI et en récupérer la guette. Encore faut-il qu'il soit compatible. Alors je me suis mis, d'un point de vue je dirais mécanique, commande, et puis aussi ce que l'on déclenche sur le périphérique MIDI génère bien une guette, ou puisse être traité comme une guette. Donc je reprends le port MIDI Arturia, c'est mon clavier externe. Toujours pour être un peu propre, je prends le canal 1
Et ben là, déjà, il me propose quelque chose qui me met la puce à l'oreille. C4, c'est mon dos, je le connais. Mais si je clique dessus et que je prends le mode de reconnaissance automatique de tout à l'heure, et j'appuie sur une touche du clavier, au hasard, mon dos, quatrième octave. Poum, il me retrouve C4. Et regardez, en haut, je le descends, celui-là. Lui, il a suivi. Mon moniteur, il a dit, message, channel 1. On est bien channel 1, là aussi. Note on, 60, 60 décimales, c'est mon C4, vélocité, peu importe. Et note off, 60. Et on a vu dans un autre module, celui-ci, MIDI to CV, on avait vu que ben lui, il traitait ça sous forme de VOCT et de GET. Et normalement, eh bien, on devrait récupérer ça ici aussi, pourquoi pas. Il raconte, donc disons qu'il récupère les mêmes valeurs en amont et il ne raconte pas forcément la même histoire. Mais le signal en amont, c'est bien le même. Et là, on touche du doigt un peu cette complexité dans VCVRack et les autres synthés, hein, même en hardware. Cette complexité d'usage, de génération de messages MIDI, de transformation dans le récepteur et d'usage de ce message. Et là, on a bien deux usages différents et deux interfaces différentes pour en fait le même message en amont. Je m'explique. Là, on a le VOCT, on le connaît, lui, et une GET, on connaît très bien. Donc on s'attend pour le C4 à avoir. On va dire C3. Voilà, où on verra un volt. J'appuie, j'ai bien la guette. Je vais zoomer un peu. J'ai bien la guette, j'ai bien mon 1 volt. Et si je monte l'octave en C2, j'ai bien 2 volts. Hein, donc, je vais revenir à mon C4. Ça me fait un repère visuel. Je sais que je suis sur la ligne 0 volts. Et là, j'ai ma guette. Pour simplifier, on va enlever, il avait dû rester en polyphonique, on le remet en monophonique. Voilà, ça donne des couleurs un peu plus tranchées. On vérifie, on a bien de faire un note on, note off de mon C4. Et normalement, ici, on devrait récupérer la guette de mon C4. Hein, logiquement, devrait une guette, c'est en bleu. La guette, elle devrait monter à 10 volts. Je rappuie, tatin. Et oui, deux modules différents, mais on récupère la même information et sous une interface et j'avais envie de dire, un parfum, une flavor différente. Par contre, ici. On ne récupère pas tout le reste, hein, les retriggers, les velocité, le VOCT et tout le pataquès. Là, non, on s'intéresse juste à la guette. De la même façon, là, je vais enregistrer non pas le Do dièse, mais le Ré. Vous allez voir pourquoi. Et là, j'enregistre le Mi, et là, j'enregistre le Fa. Lui, tout ce qu'il a vu, c'est une note différente. Vous voyez, le VOCT a un peu augmenté. Si je mets un peu de gain, je recommence, on verra mieux la différence. Voilà. Vous voyez? La guette est toujours la même. Et là, on a fait Do, Ré, Mi, Fa. Et si vous avez suivi les épisodes sur les horloges et les séquenceurs de toutes sortes, j'ai repris le même module de percussion et on avait vu la mise en place d'une telle matrice avec le fait de rentrer un signal multiplexé sur 8, 9, 10 instruments. On passait là par des portes OU hein, pour être en mode test ou pas, avec une affectation qui est quasiment toujours la même chez moi. C'est-à-dire que la voix A, là je résonne en table de mixage de percussion, la voix c'est le kick. Donc la grosse caisse, la caisse claire, la charlet dans les trois états, les tomes, aigu, médium, basse et les symboles.
Et on avait vu que c'était plutôt intéressant d'avoir justement ce système-là de pulse qui génère des triggers pour faire des tests et des mises au point des sonorités de chacune de mes percussions. Et celle-ci, la table de mixage était en mode chaînage de celle-ci. Et normalement, si je clique sur la grosse caisse, j'ai mon son de grosse caisse. C'est ce que j'avais utilisé comme module pour faire des tests. La caisse claire en cross-check, hein, en cross-stick. La Charley en pédale fermée et ouverte. Mais avec ce que je viens de programmer là, le fait de pouvoir utiliser mon clavier MIDI externe en générant des gettes, eh ben, je pourrais très bien dire, ben, après tout, là pour chacune des notes, le Do 4, le Ré, le Mi, le Fa, etc., eh ben, je commande ici, je rentre en polyphonique, là, et je récupère le polyphonique de ça dans le module que je suis en train de bricoler. Pop, 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 pop. C'était où? C'était là. Et oui, j'avais préparé un merge, c'était pas un hasard. Donc on est bien d'accord, hein, si je mets, là j'avais le Do, là j'avais le Ré, je vais mettre une autre couleur, mon scope là, et donc le Do, j'ai une guette Do, le Ré, j'ai une guette Ré, et bien il me faut rien d'autre. Hein. À la limite, pour les percus, ça serait plus propre d'avoir un trigger. On pourrait, il serait de bon ton de prendre un module qui transforme une guette en trigger, régler la longueur de la trigger et hop, du trigger, et ça fonctionnerait. Là, on va le faire de manière un peu plus simplifiée, et on va dire il me fallait combien? 8, 9, 10 instruments. Et ben, 1, 2, 3, 4, 5 ici, donc c'est celui-là. Je vais pouvoir 1, 2, 3, 4, c'est le sol, celui-ci c'est le la. Le mi et le do et le ré, c'est malin. Je sors du clavier. Voilà le ré, le mi, le fa, le sol. 4 et 4, 8, 9, 10. On n'a pas besoin de plus. Et on récupère les guettes de chaque. Une guette, la première, la deuxième. La troisième, quatrième, cinquième, voilà. Bon, généralement ça marche pas du premier coup, mais mon Do 4. Ma caisse claire, pardon, on recommence ma grosse caisse, caisse claire cross stick, Charley, les trois tomes, ma rythmique, ma Charley, ma cymbale rythmique et la clash derrière. Que j'ai pas programmé, pas grave. En tous les cas, voilà un des usages de ce genre de module. Commander pour les mises au point, la phase mise au point, commander une séquence, enfin un module rythmique percussion. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la série des vidéos sur les séquenceurs, les percussions, les horloges et tout ce qui va avec. J'avais utilisé ce mode-là avec un périphérique MIDI externe sans trop vous expliquer comment j'avais fait. En fait, c'est ce type de mécanisme-là. Et encore mieux, qui dit mécanisme comme ça, dit, je sais pas si j'en ai un, je crois que j'en ai un plus bas, voilà, des séquenceurs de drummer, voilà, de chez Andrian, Drummer. Et pour à la volée programmer ce genre de truc, on a vu qu'on pouvait soit voilà, les programmer comme ça,
soit les programmer à la volée, soit importer un fichier MIDI, enfin il y a plein de sortes, mais aussi rentrer des informations. Je ne sais plus où est-ce que c'est, ça doit être GMIDI ou Trigger, parce que cette entrée-là est polyphonique. En tout cas, je vous reporte à cette série de vidéos. Et en entrée, en saisie à la volée, ben, en fait, on pourrait utiliser cette méthode-là, là encore, en utilisant les cloches, les touches d'un clavier externe. Ah oui, c'est ce que je vous avais montré, c'était ça. C'est le fait de pouvoir à la volée utiliser les touches de 1 à Play Record with Keys 1 to 0. C'est-à-dire qu'on se met sur une piste correspondante et on appuie à la volée et on peut utiliser les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est ça. Et à la volée sur le clavier même du PC en tapant sur les notes 1 à 0, 1, 2, 3, 4, 9, 0, 0 pour le 10, on peut saisir ces triggers-là sur chacune des percussions dans les canaux de 1 à 10. Et ben, voilà encore une autre solution utilisée. Un clavier de type piano externe. Nous savons donc maintenant que ces messages de type CC peuvent être émis par certains périphériques externes. Je vais faire un peu de ménage. Alors on a vu aussi quelques exemples sur un clavier MIDI, enfin mon clavier MIDI qui est assez désertique côté commande, il n'y a pas grand-chose. On a vu qu'on pouvait quand même récupérer trois boutons relatifs aux horloges, à l'horloge. Et que ils apparaissaient à travers le message CC comme traités comme des gates hein, avec un 0 et un 1 qui correspondaient à 127 décimales. On a vu aussi qu'il y avait la wheel modulation qui là fonctionnait vraiment comme un CC de valeur 0 à 127. Mais là, je vais basculer sur un autre périphérique externe qui est le Launch Control. Pour rappel, hein, c'est celui-ci. Et donc, je vais aller me connecter, je sais pas, à ça, donc au fader 1 de la voix 1. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, encore une fois, soit je vais dans la doc technique et j'ai le numéro l'identifiant du CC utilisé, soit je vais dans un logiciel de configuration qui est livré avec le matériel, soit je fais confiance à ce module de chez VCV et je lui dis bah, reconnais-moi à la volée l'identifiant de dans ce périphérique-là, l'identifiant de cette commande-là. Donc on va déjà aller chercher. Non, allez, on va d'abord passer par le monitor. Et le fader 1, je l'augmente. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, CC50, channel 1, je suis à 0 et il peut aller jusqu'à 127. Bon, on s'y attendait. Si maintenant je commande le fader de la voix 2, eh bien il porte un autre identifiant, 51, mais il va bien de 0 à 127. D'accord? Et encore une fois, si je me mets sur le channel 2, normalement il n'y a rien, sauf s'il a été configuré de manière un peu bizarre, en périphérique. Donc c'est bien ça, il ne se passe rien. Eh bien, ce CC50, là, le fader voix 1, je vais le récupérer ici, en l'identifiant. Je clique là-dessus, les deux petits traits apparaissent, je bouge le fader, il reconnaît que c'est le 50 décimal. Et qu'est-ce qui me dit là que je ne va pas y avoir une confusion avec la note de mon clavier MIDI, Arturia, quand je vais taper sur la note qui correspond aux 50 décimales? Et bien en fait, la solution réside dans le port MIDI que j'utilise. Il ne peut pas y avoir confusion puisque là je dis au port. Au périphérique contrôle XL, puisque je me connecte à ce port-là, et je lui dis, tu me donnes canal 1, je clique là-dessus, tu m'identifies. Et donc, il ne peut pas y avoir confusion, ça n'est pas le même périphérique MIDI. Donc, on prend le 50, et puis, bah, il s'agit d'une modulation, donc vert chez moi, je bouge le fader, et je vois que je monte à 10 volts. Et ben cette valeur-là, moi hyper confiant, je la prends et je vais la mettre dans,
Je vais zoomer après. Hein. Volume, voilà. Je vais la mettre dans le contrôle volume. Et ça, chez Mixmaster de chez MindMeld, hein, c'est la table de mixage avec, encore une fois, ce qui va autour, toujours les mêmes modules que j'utilise autour, avec l'expander pour les effets externes. En tous les cas, là, on l'a déjà abordé dans les séquenceurs, ça. Déjà, je lui donne une certaine autorité. Je lui dis, bah, cette voix-là, je veux qu'elle ne dépasse pas, je ne veux pas qu'elle dépasse moins 10 dB, moins 10 dB. Et en envoyant un courant là de 0 à 10 volts, je commande, vous voyez, par-dessus ça, je dis, bah, 0 à 10 volts, 0, ça correspond à 0%, et c'est cet index jaune. Donc si je joue là, je vois qu'il se passe quelque chose sur le reste de la démo, là, mais il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui sort dans cette voie. Et si je mettais 10 volts, il y aurait 100% de la limite max que je lui ai affectée. Eh bien, alors j'ai pas assez de 10 doigts là. Comment je vais faire? Oui, j'appuie sur une touche et je monte mon fader. Et en le mettant à fond, il se limite au 100% de l'autorité que je lui ai donnée. Si je mettais 0 dB, sans rien toucher, alors là je sature, mais il monte au bouton du fader. Et il monte, pourquoi là? Parce que 100% de ce que je lui donnais comme autorité. Ah oui, j'étais monté à plus 6 dB. Si je descends, vous voyez mon curseur, je descends mon fader jusqu'à, sur mon fader, moins 12 dB à peu près, j'appuie, et donc ça correspond à cette valeur-là, en pourcentage de l'autorité max que je lui ai donnée. En fait, ça marche vraiment bien. Et vous voyez, si je survole l'arrivée du jack, là, j'ai 5,27 volts. Ben de la même façon, si je veux modifier, par exemple, ben puisque je suis ici, là, le panoramique de ça. Le panoramique, c'est un effet externe. Donc je vais continuer dans mes codes de couleur. Le panoramique, on va dire que c'est celui-là. Maintenant, je lui affecte ce port-là à mon panoramique. Donc la première rangée de potards, de la voie 1, la voilà. Je l'ai tourné à droite, à gauche, lui il s'en fout. Il identifie la commande et l'identifiant associé, 20. Et on le retrouve ici, vous voyez, 20, et une valeur derrière. Mais alors, la particularité mécanique de ces potards-là, et c'est pour ça qu'ils sont libellés par le constructeur panoramique, c'est qu'il y a un point dur au milieu. Et au milieu, la valeur au milieu, c'est 64. Si je vais à gauche, j'aurai 0. Si je vais à droite, c'est le double 64 plus 1, puisque c'est un demi-octet. Bon. Enfin, c'est la valeur du 8e bit. On verra ça dans les vidéos suivantes. Donc, valeur max 127. On est bien dans la commande change 20. Et là, le panoramique au milieu, 64. Eh bien, la table de mixage, je vous parie qu'elle est configurée pour ça. Et forcément, elle est configurée pour ça. Ça serait un peu aberrant d'avoir en plein gauche une valeur 0, en plein droite 256, 255. Il faudrait se calculer le milieu, alors que là, c'est tout fait. C'est moins, c'est plus, et puis roule ma poule. Vous voyez, alors je le vérifie, le câblage, non, c'est pas le bon, le voilà. C'est pas... et je vous ai dit une grosse bêtise. Je l'ai configuré différemment. Alors, je cherche le point milieu, ça c'est un bon cas d'école. Je cherche le point milieu mécanique hein, de mon panoramique. Il y est. Regardez déjà ce qui se passe. Lui, il a compris que c'était complètement à droite. Si je le mets, mon panoramique, complètement à gauche, il est au milieu. Donc là, il y a quelque chose à modifier dans le setup, apparemment, pour que le point milieu corresponde vraiment au point milieu. Ben, je vais vous montrer en live, je vais vous montrer comment on fait. Ben, on va déjà l'essayer comme ça. Alors, là on l'entend au milieu, et là on l'entend à droite. En tous les cas, la table de mixage, elle fonctionne. On a bien entendu le changement, et ce qui nous intéressait là fonctionne aussi, à savoir l'utilisation d'une commande CC, MIDI CC tout CIVI. Voilà. Alors comment fait-on pour aller régler ce genre de choses?
je n'ai pas retrouvé rapidement la façon d'adapter cette valeur, donc j'ai bricolé un truc différent. C'est l'éternelle utilisation de l'atténuverteur dans ces cas-là, quand on a soit des plages de tension qui ne sont pas bonnes, enfin en tout cas qui sont correctes en relatif mais pas en absolu. L'atténuverteur permet à la fois de régler là en 100% plus 100% moins 100% la valeur du signal en entrée, et puis de mettre un offset. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Là, le câble vert, il va toujours dans la même entrée panoramique de ma voix, mais je veux qu'il varie de moins quelque chose à plus quelque chose, symétrique autour de 0. Et donc ce potard-là, le potard du panoramique de mon contrôleur extérieur, là, le signal intouché, il est là, ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Son point milieu, en fait, il est à 5 volts. Vous voyez? Il est traité en signal unipolaire, et nous on voudrait que ce point milieu il descende ici. Donc a priori pas besoin de bouger l'amplitude là, en plus ou en moins. Par contre ici il faudrait que l'on descende. Alors, je me remets dans mon panoramique au point milieu. Il faudrait que le point le plus à gauche, je dirais, arrive au moins 5 volts, le 0 arrive, hop, et ben c'est pas du tout ça, ah oui, faut que je prenne 100% du signal, donc là je suis à 0, je suis un petit peu au-dessus, donc je descends l'offset, je pourrais le faire en calculant des voltmètres, mais là je le fais visuellement, je me mets complètement à gauche, je dois être à moins 5 volts, je me mets à plus complètement à droite et je suis à plus 5 volts. Et au milieu, centre gauche-droite, en fait, je suis à 0 volts. Et donc là, c'est bien cette valeur vert corrigée qui reparte là. Pardon, la valeur grise. Valeur grise. Et pour pas me gourer, je vais transformer celle-là en grise. Exceptionnellement. Et ça en gris aussi. Ben, on peut le tester en live. Je suis au milieu, à gauche et à droite. Si vous avez des casques, un casque, vous devez l'entendre clairement. Voilà. Une façon de bricoler ce genre de commande CC. Mais en amont, le signal CC20 avec sa valeur, donc milieu 64, pleine gauche 0, pleine droite 127, lui n'a pas bougé. Il n'a pas changé. Et je vais vous montrer quand même l'envers du décor. De toute façon, je voulais vous en parler de ça. L'envers du décor de tout ce hardware qu'on utilise, c'est ce genre de choses. Ce sont des panneaux de configuration. Alors, il y a la même chose pour les boîtes à rythme, pour les touchpads, là, pour les percus, le Arturia que je vous montrais jusqu'à maintenant. Toujours un look and feel différent, mais c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que visuellement, vous avez une approche, enfin plus ou moins visuellement, une approche de votre périphérique. Et pour celui-ci, typiquement, il y a ce potard qui m'intéresse. Eh bien, on peut définir la valeur du CC. Hein, et on pourrait dire autre chose. Par exemple, son frangin à droite, il vaut le 21 décimal. Celui-là, il vaut le 22. Celui-là, il vaut le 23. Et celui-ci, le 21 identifiant du CC, si je me mets là, regardez bien la valeur qui va apparaître, je touche voilà le panoramique de la voie 2, 21, panoramique de la voie 3, 22, panoramique de la voie 4, 23. Et c'est moi qui définis ça en fait, pour mes besoins. Et on peut, toutes ces programmations-là, on peut les sauvegarder, bien entendu, dans des modèles, ce qu'ils appellent des templates. Voilà. Des templates pour des usages différents, bien entendu. Et en l'occurrence, ce truc-là, il est livré, il n'est pas livré. Il y a une configuration automatique qui se fait quand on le connecte à Ableton, hein, le système, le DAW, là, le système de gestion musique numérique.
sur Mac PC, et il est suffisamment complexe en fait pour que les gens de chez Novation aient fabriqué des templates particuliers pour tous les grands logiciels. Tous les grands DAO ont des templates prévus pour ce type de contrôleur. Donc je reviens à mon bouton, là on peut définir l'ID, on peut définir le channel sur lequel il va émettre. Ah là, ça y est, on a bouclé la boucle. C'est que depuis qu'on tourne autour des channels et qu'on commence à les utiliser d'un côté et de l'autre, en fait tout ça est paramétrable dans les logiciels pilotant des hardware, pas que dans du soft comme tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et on pourrait même définir la valeur mini décimale, je vais y arriver, la valeur maxi décimale, sachant que si je veux une valeur plus élevée, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que dans la spec MIDI, il est dit qu'un signal CC peut prendre des valeurs de 0 à 127. Peut prendre. On pourrait trouver un maxi à 120 et un mini à autre chose. Mais en tous les cas, pas en dessous de 0, donc des valeurs binaires et entières, et puis pas en dessus de 127. Un fader comme ça, pareil, 0 à 127. Et il a une autre valeur, lui, un ID de commande contrôle, continuous contrôle, c'est 50. Et c'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Voilà mon fader, 50. Tout est cohérent, on retrouve tout. Et la particularité, j'en finirai là sur ce contrôleur, la particularité de ce truc, c'est que, entre autres, il a des LED. Et des LED qui peuvent prendre énormément de valeurs différentes, d'intensités lumineuses différentes. Et ces LED, bah forcément, on s'attend à ce qu'elles correspondent à quelque chose. Et notamment, moi, pour l'utiliser avec les tables de mixage MindMeld qu'on a vu tout à l'heure, hein, on sait par habitude que quand on clique là-dessus, on fait un mute et la LED devient verte. Et puis quand on clique là-dessus, c'est solo et ça devient. Non, là c'est rouge et celle-là c'est verte. Eh bien, on va programmer à l'aide de cette interface-là aussi, à la fois l'aller, c'est-à-dire j'appuie là-dessus, le CC qui est envoyé c'est 40. D'ailleurs, on va le vérifier tout de suite. Hein. Et là, il l'a planté tout à l'heure, donc ça n'a peut-être pas fonctionné. Si, voilà, 40. Et c'est un monostable, c'est-à-dire que là, j'ai le doigt appuyé. Il reste à 40, 127, donc il devrait être interprété à l'arrivée comme une guette. Je lâche, c'est 0. Mais j'ai une commande aussi qui dit que quand j'appuie, il commande dans VCVRack une porte logique qui est un bistable, qui se transforme en bascule. Et donc quand j'appuie une fois, ben, je renvoie un message MIDI au retour vers ce périphérique qui lui dit cette LED-là, tu l'allumes en vert. Et si je rappuie dessus, il a beau être monostable, c'est-à-dire un flip-flop, il passe à 1, je relâche, il passe à 0, il recommande la même, justement, bascule flip-flop, qui elle se remet à 0 et éteint cette LED, et puis fait ce qu'il faut dans la commande de la table de mixage. On va quand même continuer à jouer. Cette fois-ci, je vais utiliser pour commander le signal carré, le pulse width, les largeurs, vous savez, la décimétrie d'un signal carré. Je vais utiliser le bouton rotatif de mon contrôleur MIDI, de la voie 1, mais le bouton juste au-dessus. Au-dessus du panoramique. Et lui, on peut en faire ce qu'on veut. Hein. Eux, ils l'ont libellé comme étant un envoi externe d'effets externes. Généralement, le 1, moi, je l'utilise comme la reverb, le 2 comme écho. Et bien là, je vais déjà le reconnaître. Je le tourne. Poum, c'est le numéro 10. Très bien. Alors que oui, le fader, non. Le panoramique, lui, c'était le 20. Donc, vous voyez, il y a un minimum de logique dans les numérotations, sinon on se noie. Ici, on va voir déjà en tournant le bouton s'il se passe quelque chose. Oui, la valeur du milieu, c'est 5 volts, 0 et plus 10 volts. Et où est-ce que je l'ai fait aller? Donc, encore une fois, on est dans du signal monophonique. Et je l'ai fait aller dans le montage, un montage qu'on avait utilisé.
juste dans la météo, la vidéo précédente, je crois. Voilà, Pulse Width. Et quand on entre une commande externe comme ça, la tenue se transforme, pardon, le bouton comme ça de commande correspondant se transforme en atténuverteur. Allons-y, sans filet. Ah oui, encore une fois, j'ai pas assez de main. Voilà. Je le tourne à gauche et je le tourne à droite. Il se passe quoi? Rien. Pourquoi? Ah ben parce que oui. Se transforme en atténuverteur et je l'avais pas atténué ouverté. On recommence. Voilà, ben il faudrait aussi le. En tout cas, ça fonctionne. Il faudrait, pour avoir un effet intéressant au milieu de la course de ce potard, il faudrait repasser par un atténuverteur pour corriger, je dirais, la courbe de réponse en remettant un offset. Mais le principe, en tous les cas, est là et ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on a utilisé ce module MIDI to Gate, on a été chercher des ports MIDI entrants, mais avec cette option-là prédéfinie, Windows MIDI. Et donc en l'occurrence là c'est mon clavier MIDI externe, bon. Et on a, sauf les horloges ici, qu'on verra dans une vidéo à venir, mais on a à peu près tout traité, l'aftertouch, pitch wheel, modulation wheel, la vélocité, et puis les VOCTs et les gates. Bon. Mais il faut savoir que ce module là permet d'aller chercher une autre famille de périphériques MIDI, qui s'appelle Computer, Keyboard et Mouth. Alors pour ce qui est Computer, Keyboard, donc les claviers d'ordinateur, on en a un qui est prédéfini là-dedans, qui s'appelle QWERTY Keyboard. Et bah déjà, ça dépanne bien pour saisir des notes dans des séquenceurs comme Untrian, Sequencer, les drummers, etc. Mais ça sert aussi pas mal dans les mises au point. Moi je m'en sers en tournée K énormément dans ces phases mise au point de patch. Et donc là je vous ai mis le QWERTY Keyboard. Alors déjà on va lever un doute, ça fonctionne avec les AZERTY aussi, c'est à dire que je pense qu'il y a une erreur dans le libellé de son module, parce qu'il renvoie pas les noms des touches mais les positions des touches. Et par exemple le W en bas à gauche de mon AZERTY, c'est un Do, Ré, Mi, Fa pour le V, Sol, La. Ici, en bleu, vous avez les gates, là le V-Oct, et même les moniteurs, ici, savent faire apparaître les messages MIDI correspondants. Et on retrouve bien donc le Channel 1 Note Off, j'ai précédé du Note On, 60, c'est ma touche W, c'est encore une fois mon Do, c'est 60 décimales qui correspond au Do C4, et une vélocité de 127 qui est affectée, j'imagine par défaut, puisque à ma connaissance, les claviers de nos PC, nos Mac et Linux n'ont pas de détecteur de vélocité, c'est-à-dire quand on fracasse la touche Enter ou qu'on la presse de manière délicate, l'ordi va répondre de la même façon. Même si de temps en temps on a envie de fracasser la touche Enter ou Escape. Mais donc là on découvre quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de vélocité ici. Et on peut assez facilement saisir des notes, déclencher des tas de modules. Et c'est vraiment très très pratique. Il y a dans la documentation de VCVR Rack les touches clavier qui sont utilisés par ce module-là, en le mettant sur la famille Computer Keyboard. Il suffit d'aller manual à partir de la bibliothèque de modules, s'il veut bien, voilà, se réveiller. Et puis, il faut ensuite aller dans les Core Modules, donc les modules de base,
On va chercher le, enfin, oui, de base, le MIDI to CV qui est par là, et vous avez vu, voilà, il y a un plan du clavier. Donc encore une fois, AZERTY fonctionnera de la même façon, et le DO était ici, et pour nous, clavier français, c'est le WXCVBN. Bon, ici, c'est disposé comme un clavier de piano, ce qui fait que le DO, pourquoi ça fonctionne plus, voilà, le DO est ici, le DO dièse, c'est le S, le RÉ, le MI bémol, le MI, le FA, et la ligne AZERTY nous donne les mêmes notes à l'octave du dessus, avec les touches donc 2, 3 qui me donnent un DO dièse et un MI bémol, et ainsi de suite. Et je crois même qu'on peut, voilà, faire une transposition avec à l'octave du dessus et du dessous.